Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le mag du triathlon qui se penche cette semaine sur les épreuves du mois de juillet, quelques jours donc avant l'épreuve olympique de Londres. Au menu, deux étapes de la Coupe du Monde, d'abord à Edmonton au Canada, ensuite à Tijoșvaros en Hongrie. Bonjour Laurent Chopin, notre consultant. Bonjour Adolphe. Edmonton, Tijoșvaros, deux épreuves habituelles du calendrier de triathlon. Oui, tout à fait, depuis des années, Edmonton a été le théâtre des championnats du monde. Il y a déjà quelques années, Tijoșvaros en Hongrie est une étape incontournable depuis plus de 15 ans. Et donc, ces étapes, alors on le précise pour nos téléspectateurs, c'est la Coupe du Monde, ce n'est pas les World Series. Donc, c'est des étapes qui ont tout à fait le niveau pour pouvoir un jour accéder. Mais au circuit Coupe du Monde, mais il y en a que 7. Donc voilà, la Fédé internationale fait tourner les épreuves, mais ce sont des épreuves qui ont un renom, un savoir-faire, et qui sont en plus idéalement placées, vous l'avez dit, à quelques encablures des JO pour une préparation finale pour certains des athlètes qui seront à Londres. Edmonton, on va commencer avec cette épreuve, l'épreuve canadienne dans la 6e plus grande ville du Canada. Petite présentation pour commencer des favorites de cette épreuve avec, pour commencer, Flora Duffy. Je n'ai jamais eu le dossard numéro 1, ni jamais été favorite numéro 1 d'une course, alors je vous avoue que c'est très excitant. Ça m'a pris du temps pour obtenir ce statut, mais c'est plutôt plaisant, même si ça met davantage de pression. Mais je suis confiante, je pense que je peux réussir une très bonne course. Floria Duffy qui a participé quelques jours après aux Jeux Olympiques, on y reviendra bien sûr. Elle est bermudéenne et elle avait fait 6e de la World Series de San Diego, donc un très très bon début de saison. Autre favorite, la Canadienne Lauren Campbell. La première fois que j'ai entendu parler de triathlon, c'était en 2000, lorsque mon compatriote Simon Whitfield s'est imposé au JO de Sydney. Ça a été un déclic, je me suis inscrit au club de l'université et Simon est d'ailleurs venu nous rendre visite quelques semaines plus tard. Et c'est finalement à Edmonton que tout a commencé pour moi un an plus tard lors des championnats du monde junior. Cela fait donc 11 ans que je suis sur le circuit. À noter que Simon Whitfield a été le porte-drapeau de la délégation canadienne au JO de Londres. Donc le triathlon mis à l'honneur, et c'est vrai que ça a été le premier champion olympique en 2000, puisque le triathlon est apparu au jeu cette année-là. Ah, c'est plutôt sympathique pour... Ça me rappelle un titre de chanson, ça, cette année-là, mais je sais plus bien quoi. C'est plutôt sympathique, en tout cas, pour le triathlon. On a vu aussi rapidement l'une des favorites aussi, c'est la Canadienne Sarah Ann Brault. Mais on va tout de suite commencer, Laurent, et bien par la course. Ça démarre évidemment avec la natation. Alors, un peu particulier, on part d'un ponton, mais sans plonger. C'est-à-dire qu'il y a encore pied. D'habitude, voilà, c'est un départ du ponton. D'habitude, c'est ce qu'on appelle un beach start, ou les de la plage, où les athlètes vont courir dans l'eau, éventuellement faire un peu de dolphing et puis partir en natation. Là non, on est parti d'un ponton et on a sauté. J'en ai pas vu se boucher le nez, mais ça aurait presque pu être le cas. C'est un peu particulier quand même comme méthode. Alors on l'a pas dit, Laurent, pour parler un peu des modalités, on est dans une distance sprint, hein, donc c'est la distance la plus rapide, hein, qui se fait en triathlon. Oui, à ce niveau-là, en tout cas, au haut niveau, puisque le triathlon peut se décliner en de maintes distances, notamment pour les plus jeunes et pour ceux qui vont découvrir. Donc en France, il y a énormément de triathlons qu'on appelle découvertes, et comme leur nom l'indique, oui, c'est pour découvrir la discipline. Pour les plus jeunes. Sur des distances beaucoup plus courtes pour les plus jeunes, mais même pour les plus, vous pouvez venir sans problème, mon cher Rodolphe. Et là, oui, mais on est dans une configuration pré-Jeux Olympiques. Donc ce sera le cas à Hambourg aussi, deux semaines avant les Jeux, et cette fois sur une World Series, où la Fédé internationale a décidé de passer sur distance sprint. Deux avantages à mon avis. Le premier, c'est une course très rapide avec du rythme, donc qui peut correspondre à la préparation des athlètes qui vont aller aux Jeux. Deuxième avantage, sincèrement, c'est plus télégénique, puisque c'est un format qui, sur un direct, oui, peut durer qu'une heure. Et notamment, Hambourg a été passé sur Sport Plus en direct. C'est un format qui dure entre 50 minutes pour les garçons et 56-57 minutes pour les filles. Donc on peut le caler dans un programme, et c'est peut-être l'avenir du triathlon. Et il n'y a aucune différence au niveau des athlètes, hein. On n'est pas en sprint et distance olympique. Il n'y a pas de différence, ce sont les mêmes athlètes, ce qui n'est pas le cas sur distance olympique et évidemment Ironman. Et on peut parler donc rapidement des distances, hein. On a passé déjà l'épreuve de natation qui c'est 750 mètres de natation. Ensuite, on a 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc la moitié d'une distance olympique. Et exactement. Ici, à Edmonton, donc c'était un tour de natation de 750, 4 tours vélo et 2 tours à pied. Ce qui est très spectaculaire aussi, et ça depuis quelques années, où le triathlon, bien sûr,
se fait sur des boucles, ce qui permet au public de voir passer les athlètes beaucoup plus souvent, ce qui n'était pas le cas il y a à l'époque où je faisais du triathlon, c'est-à-dire il y a très longtemps, où on partait dans la nature pour une heure. Et on l'a vu à l'issue de la natation, c'est Flora Duffy qu'on a découvert tout à l'heure, qui est en tête devant la japonaise Eri Kawashima. Alors ces courses de Coupe du Monde sont aussi le moyen pour les fédés internationales, dans un premier temps, on en a parlé tout à l'heure, de permettre aux athlètes de très haut niveau qui font les World Series et qui vont faire les Jeux de peaufiner leur préparation, de valider une préparation ou de faire une dernière ou deux dernières séances de rythme, mais aussi de tester des jeunes. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de noms dont vous avez parlé, Rodolphe, mais qui ne sont pas habitués, dont les téléspectateurs ne sont pas habitués, parce que justement on les teste, on vient les tester. Par exemple, la petite canadienne Hélène Pénoc, elle est de 92, oui. Donc elle a 20 ans. 20 ans, c'est l'accession au haut niveau, elle sort de la formation triathlon, elle vient sur ce type de course pour se frotter à quelques, entre guillemets, élites internationales. Elle marque des points, ce qui va lui permettre, en 2013 ou en 2014, de pouvoir avoir accès au ranking des World Series, puisqu'il faut un minimum de points pour pouvoir avoir accès à ces courses de très très haut niveau. En tout cas, il y a beaucoup de Canadiennes, hein. Enfin, c'est normal, oui. On a Edmonton en même temps. L'Alberta, Edmonton, hein. Dans la province de la Berta, oui, c'est exactement ça. Voilà. Gagné, Laurent. Mais ça fait longtemps que ça existe. C'est pour ça. Un point pour vous. Et c'est vrai, vous l'avez dit, il y a beaucoup de Canadiennes. Il faut dire qu'il y a peu de... Enfin, c'est une épreuve avec seulement 19 concurrentes. Hein. Alors, le parcours vélo d'Edmonton est un parcours particulier, sur des belles routes, bien sûr, style l'américaine, puisqu'on est dans l'Amérique du Nord, mais avec énormément de relances. C'est un parcours technique, pas au niveau des virages à prendre, même s'il y a un ou deux demi-tours, mais surtout au niveau du braquet, l'utilisation du braquet. Et là, Flora Duffy, regardez, elle est sur un 39-20, 39-19, et demi-tour en haut de la bosse, c'est toujours sympathique, et elle est en train de nous faire un petit numéro. Elle est en tête avec quelques petites secondes d'avance sur un peloton qui essaye de s'organiser derrière, avec notamment Lauren Campbell. Et des maillots canadiens à l'appel. Il y en a beaucoup là. Et cette équipe féminine du Canada est vraiment un mystère pour moi. On en parle souvent quand on fait les commentaires des World Series. Ils ont eu il y a quelques années Cathy Tremblay qui a excellemment marché, même si elle continue sa carrière, elle va faire les JO à Londres. Voilà, elle n'est plus tout à fait au niveau où elle a été. Jill Savage, que je connais très très bien puisque j'ai eu dans mon équipe à Beauvais il y a de ça 7 ou 8 ans. Mais ils arrivent toujours à nous sortir des jeunes. Kirsten Sweetland, il y a 3-4 ans, qui a gagné 2-3 Coupes du Monde d'affilée. Poda Finlay, il y a 2 ans, qui en gagne 3 d'affilée. Et qui, alors est-ce qu'elles sont un petit peu trop pressurisées, des charges d'entraînement trop importantes ou des courses avec des succès trop rapides? Toujours est-il qu'elles ont du mal à 20-21 ans de continuer une carrière. On sait qu'une carrière, ça n'est pas être fort en junior et en espoir, c'est être fort sur plusieurs années, et notamment en senior. Les titres qui comptent vraiment, entre guillemets évidemment, toute proportion gardée, sont les titres seniors. Et là, quid de Paula Finlay, bye bye, et Kirsten Sweetland, pareil, Paula Finlay d'ailleurs va participer au JO et va abandonner, exactement ce qu'elle avait fait à Edmonton l'année dernière. Donc c'est un mystère. Enfin, je voulais vous dire ça, voilà, en passant comme ça. Il le fallait, et vous venez de le voir, Flora Duffy, eh bien, elle vient d'être rejointe par le peloton, elle n'est donc plus toute seule en tête, elle est accompagnée par plusieurs Canadiennes, notamment Lauren Campbell, on a vu également Sarah Anne Dossard numéro 2. Et Flora Duffy, c'était son jeu d'essayer de partir en vélo, elle nage plutôt pas mal, elle a un bon vélo, par contre en course à pied, c'est un petit peu plus difficile pour elle. Même si, c'est ce que je disais en début de programme, elle a fait 6e à San Diego, donc c'est qu'elle a une course à pied qui était à peu près à la route, mais elle n'a pas une constance dans ses performances suffisante pour lui assurer suffisamment de sécurité pour, voilà, en posant le vélo groupé comme ça, être sûr de gagner, même si elle a le dossard 1 et qu'elle a été présentée comme une des favorites. Alors Laurent, une petite question sur ce qu'on appelle les zones de transition. On est d'accord que, surtout sur des distances sprint, il faut aller encore plus vite et on peut gagner de précieuses secondes à ces moments-là. Alors que ce soit sur distance sprint ou sur distance olympique, je ne sais pas si on peut aller plus vite sur distance sprint au niveau de la transition, parce que là, les transitions sont travaillées à l'entraînement, sont répétées, sont visualisées et ces athlètes vont très très vite. Toujours est-il que la densité est telle maintenant sur le niveau international et on le voit sur les World Series, on l'a vu sur les JO. Regardez, il suffit juste de sortir première du parc de transition, pardon, ou à 50 mètres, et quand on court à 18 à l'heure, 50 mètres c'est 10 secondes, et ces 10 secondes là il va falloir les récupérer quelque part, et c'est au prix souvent d'un effort qui est colossal. Donc une course
peut se perdre à la transition. C'est difficile de gagner une course à la transition, mais en tout cas, une course peut se perdre à la transition. En sachant qu'on a vu les petites boîtes, et depuis quelques années, donc ça c'est sur le modèle français, les athlètes, pour que la zone de transition soit complètement propre, complètement clean, comme disent les anglo-saxons, toutes les affaires qui ne sont pas utilisées, soit sur le parcours vélo, soit sur le parcours course à pied, doivent être rangées dans la petite caisse. Sinon, pénalité est au jeu. Qui est-ce qui a pris une pénalité? Jonathan Brandley, il a pris 15 secondes. On a bien cru d'ailleurs que Davidos et Laurent Vidal allaient revenir sur lui. Ouais, et s'il n'avait pas pris cette pénalité, il aurait peut-être pu finir deuxième derrière son frère. Ah, il était déjà... Alors, il était un petit peu déjà... Ouais, alors est-ce qu'il a levé un petit peu le pied? Parce qu'il a le choix sur le tour dans lequel il va prendre sa pénalité. C'est vrai. 4 tours, donc je le fais dans le premier tour et je ne suis plus au contact de la tête. Je le fais à un moment donné, mais peut-être que ça va revenir derrière. Donc il a dû choisir tactiquement ce troisième tour. Et peut-être qu'il en a gardé un petit peu en se le faisant décrocher, ou alors il était vraiment déjà dans le dur. Moi je pense sincèrement que Alistair était en train d'imprimer un rythme énorme, Javier Gomez était quasiment en contact, et le petit Brandley, Jonathan, était en train de décrocher. Et donc là il en a profité pour faire son tour en se disant médaille de bronze, j'assure par rapport aux deux Français qui sont derrière, et le tour est joué. Et là on revient sur la course et on remarque que Flora Dufy est toujours en tête, mais elle avait repris un petit peu d'avance dans la course à pied, mais elle est en train d'être rejointe notamment par Lauren Campbell qui nous fait le même coup que lors du passage à vélo, puisqu'elle est en train de rattraper Flora Dufy. Alors deux tours à pied, Lauren Campbell très reconnaissable, le dos bien droit, le buste droit avec une foulée très fréquente. Et c'est vrai que Flora Dufy qui a fait une excellente transition, vous l'avez noté Rodolphe, bah voilà, joue sa carte à fond et on voit que là elle pioche à pied. Ouais. Le parcours à pied et montagne c'est pareil qu'en vélo, hein. Succession de plats, faux plats montant, faux plats descendant, demi-tour on les a vus, c'est compliqué quand on a les jambes un petit peu lourdes, ce qui doit être le cas de Flora Dufy parce qu'elle a fait elle a tenté en tout cas de faire un numéro en vélo. Ça peut être compliqué et même pour sa deuxième place, il est possible, là elle est quand même bien en train de sauter, voilà, la foulée est complètement rasante, donc ça risque d'être difficile pour elle. Et ces parcours techniques là, pardon Rodolphe, sont vraiment sans pitié par rapport à une petite défaillance. Et ça, c'est dur. Hein. Oh là là. On a vu Lauren Campbell qui est passée devant Flora Dufy. Et juste un petit mot, puisqu'on ne l'a pas dit depuis le début de cette retransmission, cette épreuve d'Edmonton, c'est aussi l'occasion pour la Fédération Nationale Canadienne de décerner le titre national. Donc la première Canadienne, le premier Canadien dans l'épreuve masculine sera champion du Canada. Donc Lauren Campbell a tout intérêt à se dépêcher, à gagner. Oui, tout à fait. Elle a déjà été deux fois championne du Canada. Donc elle est peut-être partie pour une troisième, et voilà Flora Dufy qui se fait aussi rejoindre par Sarah Nbro, et voilà doublé, donc une victoire en Coupe du Monde et un titre national, ça, c'est pas mal, et c'est plutôt pas mal en plus, elle est première. Oui, parce qu'un titre national décerné alors qu'on est cinquième de la course, c'est un peu moins bien, voilà, ça sonne un petit peu moins bien symboliquement, c'est pas génial, et là la voici qui s'impose, qui passe la ligne d'arriver pour son troisième titre national et donc cette victoire en Coupe du Monde à Edmonton pour cette donc cinquième étape de la Coupe du Monde. Et Flora Dufy qui finit bien, mais c'est trop tard, elle a été passée. Par contre la deuxième canadienne, la petite Bro, elle a fait l'effort aussi pour aller chercher cette deuxième place. Ouais, c'était tout juste devant Flora Dufy pour 9 secondes de plus entre Sarah Hanbro et Flora Dufy. Et on va d'ailleurs écouter bien Lauren Campbell qui s'est imposée. Honnêtement, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre aujourd'hui après ces deux dernières années qui étaient un petit peu en demi-teinte, d'autant que j'ai fait une petite pause après ma non-sélection pour les Jeux Olympiques. Alors gagner ici mon troisième titre national me rend forcément très heureuse. J'ai réussi ma course, c'est génial. C'est une courte distance, certes, mais c'est une course pas facile, donc je suis très satisfaite de mon classement. Beau bébé, la famille canadienne. Flora Dufy qui est troisième. Lorsque j'ai regardé le parcours, je me suis dit que j'avais mes chances dans l'eau et à vélo et que je devais aller le plus vite possible d'entrée pour avoir une chance de l'emporter. Mais j'ai un peu souffert sur mon vélo et je n'ai pas réussi à m'échapper. Ensuite, j'ai fait ce que je pouvais lors de la course à pied. Et ouais, la petite Bro qui va devoir s'affûter un petit peu. Hein. C'est pas pour être méchant ou ni cynique ni sarcastique, mais c'est vrai que la VO2 max étant complètement liée au poids, voilà. Il va falloir s'affûter un petit peu, mademoiselle. Et on a vu le tableau au final avec ses 10 secondes donc d'avance pour Lauren Campbell devant Sarah Hanbro et devant Flora
de filles qui terminent troisième. On va s'intéresser aux hommes à présent avec un petit mot sur certains favoris de cette course, à commencer par cet homme, le Britannique Tim Don. C'est le trait-tête le plus titré parmi tous les concurrents. Il a notamment participé aux JO de 2000, de 2004, de 2008. Et champion du monde 2006. Et champion du monde 2006. Vous savez, nous avons l'habitude de participer à des épreuves qui durent 2 heures. Alors une course de 55 minutes, ça va aller. En revanche, nous n'avons pas le droit à l'erreur, car toutes les secondes comptent, notamment lors des passages en zone de transition. De même avec une course à pied de 5 km, il ne faut pas tergiverser, il faut tout donner. Tim Don, qui est un excellent athlète, il est né en 78, donc il a 34 ans, mais qui est aussi un personnage dans le triathlon et qui est vraiment adorable. Je l'ai eu dans mon équipe pendant plusieurs années. Et je vous engage à aller voir pour son équipementier, donc j'ai pas le droit de citer la marque, évidemment, sur YouTube, vous allez voir sa course contre le métro londonien. C'est assez savoureux, à la fois au niveau de l'humour et de la performance qu'il réalise. On ira voir ça. Kyle Jones, le Canadien. Ça serait génial de remporter le titre national. J'ai gagné le titre junior en 2003. J'ai terminé deuxième à 3 reprises derrière Simon Whitfield. Il n'est pas là ce week-end et c'est dommage car on préfère toujours concourir contre les tout meilleurs. Mais alors, peut-être est-ce ma chance cette année. Et Kyle Jones qui est sélectionné pour les JO, notamment avec Simon Whitfield qui est vraiment le mentor de toute cette équipe canadienne. Lauren Campbell nous l'a dit tout à l'heure, c'est grâce à lui et sa victoire au JO. Voilà, ça a été l'exemple. Ça a été l'exemple et c'est vraiment intéressant. On a l'habitude d'entendre parler des ce que les anglo-saxons appellent les role models, notamment pour les coureurs kényans, les coureurs éthiopiens ou les grands anciens ont donné envie à toute une à des générations de devenir sportifs de haut niveau. En France, c'est un petit peu moins le cas. Les modèles sont moins mis en exemple sur les sports qu'on va dire discrets. Là, au Canada, Simon Whitfield, même si c'est pas un sport majeur, le triathlon, a été vraiment par ce titre olympique, donc on voit l'importance de la vitrine des Jeux, a été l'exemple pour toute une génération de triathlètes, de jeunes en tout cas, de venir au triathlon, de se dire pourquoi lui il a réussi, pourquoi pas moi, voilà, ça peut être un bon sport et un bon moyen de pouvoir gagner des titres et de s'éclater sur le circuit international. Et on a vu juste avant donc Kyle Jones en interview. On vous a dit qu'il avait participé aux Jeux de Londres. On peut en parler hein, puisque c'est derrière nous. Il a terminé 25e. 25e, ouais. 12e à San Diego. Donc il a fait un bon début de saison. Simon Whitfield qui malheureusement lui au JO a abandonné. Bon voilà, il est en fin de carrière. Il a une très très belle carrière. Double médaillé aux Jeux quand même. Hein. Médaillé d'or à Sydney et d'argent à Pékin. Pas mal, pas mal. On a vu donc Tim Don, on a aperçu Jarrod Schumacher qui lui aussi est un excellent triathlète. Alors il avait fait une très bonne saison il y a 2 ans. Il marque un petit peu le pas l'année dernière et puis cette année, voilà, 27e à Hambourg, 16e à Madrid. Il ne sera pas dans l'équipe des États-Unis puisque l'équipe des États-Unis pour les Jeux, c'est Manuel Huerta qui lui aussi est dans cette course. Et Hunter Kemper qui lui a 115 ans aussi maintenant, je plaisante évidemment, mais qui lui aussi en est à ses 3e JO et qui est un modèle pour les triathlètes américains. Et on en termine avec la natation et nous voici dans le parc de transition avant le vélo. Oui, c'est ça Rodolphe, c'est le vélo derrière la natation. Donc voilà, quand il y a un petit peu moins de densité, il peut se passer des choses sur le vélo. C'est-à-dire que voilà, quand on a par exemple deux nageurs qui vont sortir comme on a l'habitude sur les World Series de voir Varga sortir de l'eau et puis essayer de s'échapper avec 2-3 hop, Tim Don, bah ouais, tiens. Ouais. Et bah, il voilà. Est là à gauche, regardez. Bah Tim, il a pas vu. Un garçon expérimenté comme toi, mais c'est difficile. Est-ce que ça arrive souvent ça? J'en ai connu un Français à qui c'est arrivé plusieurs fois, voire même au JO, il était aussi dans mon équipe. D'ailleurs, il avait fait le commentaire de l'épreuve féminine d'Hambourg il n'y a pas longtemps, c'est Fred Bello qu'on salue, il a commenté les Jeux pour France Télévisions. Ça lui est arrivé une paire de fois de passer devant son vélo et pas de le reconnaître, mais pour des athlètes expérimentés comme ça, c'est effectivement un petit peu étonnant, mais je pense qu'il a été trompé par le fait que d'habitude, le Dossa 1 est en bout de parc. Oui. Et là, c'était pas tout à fait le cas, il était un petit peu avant, donc il a dû se laisser avoir, mais... on lui a déplacé son numéro, il pourra aussi changer les chaussures de course à pied, ça pourrait être pas mal, comme ça on court avec une pointure qui n'est pas la sienne. Voilà, on vous a mis du 35, voilà. Désolé. Hein. Eh ben, débrouillez-vous. Tiens, c'était une chaussure de fille, bon, c'est pas grave. Non, mais ce qui, voilà, un triathlète de haut niveau et même les triathlètes qui vont courir tout cet été un petit peu partout en France et partout dans le monde doivent reconnaître le parc vélo, entrée-sortie, où est ma position, où est mon vélo, je prends un point de repère. Donc là, en plus, c'est facile, il y a le nom et le numéro de dossard. Ouais.
alors que dans les parcs à vélo pour les triathlons open, il peut y avoir 500 vélos et donc il faut noter l'allée dans laquelle on est et à quelle hauteur on est dans cette allée. Donc c'est une erreur de débutant, monsieur Tim. Et assez groupé en vélo, voilà. Et j'étais en train de vous dire, pas une énorme densité, donc il peut y avoir des petits paquets et ça peut favoriser des échappées. Et ben manque de bol, bing, un gros paquet. Après voilà, il n'y a pas eu de cassure dans l'eau. Il y a les Canadiens qui jouent le titre national aussi, donc ils vont sans doute s'observer un tout petit peu. Voilà, Tim va tenter. Ah, il y avait des... Eh oui, le sprint. Alors, il fut une époque où la Fédé internationale mettait aussi des primes de 100$, 150$ au premier tour natation, à la sortie de l'eau et sur chaque tour vélo. Donc pour mettre un petit peu de... Un peu comme ça se fait dans les critériums vélo, pour mettre un petit peu d'animation. Et là, Tim, bah, c'est pour vous dire que ça ne doit pas rouler très vite puisqu'il se permet de faire un petit sprint au passage. Non, on est d'accord, c'est... que là il lève la main, mais c'est pour le fun. C'est pour, oui, c'est pour rigoler, d'accord. Complètement, c'est pour complètement pour le fun, ouais. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, mais c'est vraiment pour vous dire que ça doit pas enrouler bien vite. Et là, par contre, voilà, l'expérimenté Tim Dunn rentre en premier. Et quand on est à une trentaine de triathlètes comme ça, c'est toujours mieux, oui, de pouvoir rentrer devant et de faire une transition beaucoup plus tranquille et de pouvoir essayer de partir. Et cette fois-ci, il a compris le truc. Hein. Mais Tim est un triathlète professionnel depuis des années. Il répète jamais deux fois la même erreur. Et capitalise sur son expérience. Et donc le Britannique qui va repartir en tête pour la course à pied. Alors Tim qui est déçu parce qu'il ne fait pas partie de cette équipe de Grande-Bretagne pour les JO. Bon, quand on a les deux frères Brandy, effectivement c'est toujours compliqué, on sait qu'il reste qu'une seule place. Maintenant c'est Stuart Hayes qui a eu la place sur décision des sélectionneurs parce qu'ils étaient trois pour cette place. Il y avait Stuart Hayes, Tim Dunn et Will Clark. Tim pensait qu'avec, il aurait fallu qu'il fasse une performance à Madrid. Malheureusement, il a abandonné alors qu'il avait fait 7e à San Diego, donc ça l'avait remis dans la course. Et puis son abandon à Madrid l'a un petit peu exclu. Les sélectionneurs britanniques ont décidé de sélectionner Stuart Hayes en tant qu'équipier des deux frères Brandly pour contrôler qu'il n'y ait pas d'échappée, que Brandly, par exemple, que les Russes ne mettent pas une tactique en place pour les attaquer, et donc pour pouvoir mettre un gros tempo vélo et assurer la course pour les deux frangins. Maintenant, ça leur a plutôt réussi, mais est-ce que les Brandly en avaient vraiment besoin? Oui. Parce que la Fédé anglaise, depuis 2 ans, l'a annoncé. Hein. Tim m'avait dit, la Fédé anglaise m'a dit, voilà, tu peux continuer à être dans la course pour les JO, par contre, t'es équipier des deux Brandly. Et Tim leur avait dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour eux, puisqu'ils nagent plus vite que moi, ils roulent plus vite que moi, ils courent plus vite que moi. Donc laissez-nous, les quelques-uns, les 3-4 qui sommes là pour pouvoir jouer la troisième place, laissez-nous la jouer en toute éthique et de notre côté, et sur des courses bien particulières, plutôt que d'être équipier des deux meilleurs du monde. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc Tim a été très très déçu de sa non-sélection. Et pour revenir sur les frères Brandly, est-ce qu'on peut chanter un petit cocorico vu que, sauf erreur, les trois premiers aux Jeux Olympiques de Londres s'entraînent dans le club de Sartrouville? Oui, ils font partie du club de Sartrouville. Ils font partie du club de Sartrouville, comme Laurent Vidal fait partie du club de Beauvais et Davidos des Sables d'Olonne, mais ils ne s'entraînent pas sur place. Ils ont évidemment le triathlon de haut niveau étant ça un petit peu particulier. J'ai eu Tim Dunn dans mon équipe, ils ne s'entraînaient pas, d'accord, à Beauvais, on est bien d'accord. C'est-à-dire que des clubs de c'est haut niveau, voilà, d'accord, montent des équipes qui se retrouvent sur les Grands Prix et qui, c'est pas un sport collectif sur lequel, ouais, l'équipe est à demeure en permanence. Bien évidemment, comme d'ailleurs la course à pied, comme les sports individuels en général, de très haut niveau, où les triathlètes vont choisir des sites d'entraînement qui sont, c'est vrai que la météo par exemple à Sartrouville, comme celle de Beauvais, peut-être un petit peu moins favorable que celle de Saint-Raphaël ou de Montpellier. Donc c'est sûr qu'après ils choisissent des sites d'entraînement. Tim Dunn notamment va souvent s'entraîner en Afrique du Sud pendant l'hiver ou au Colorado. Donc voilà, ils font des stages. Laurent Vidal passe, puisqu'il est avec André Hewitt, passe les 3/4 de l'hiver en Nouvelle-Zélande pour s'entraîner, ainsi que Davidos d'ailleurs. Donc on a vu Huerta qui mettait une grosse pression sur la course. C'est vrai qu'on a une petite course aussi devant les yeux. Et Huerta, vous l'avez dit, il a participé au JO de Londres aussi, mais là, ça s'est pas bien passé, il a terminé 51e. Ouais. Donc voilà, Kyle Jones, Huerta, il y a Shoemaker aussi qui est dans le coup, on a vu Tim Dunn. Ouais, Shoemaker il est là. Voilà, et puis il y a un autre Canadien qui doit être Eaton, le grand là, Eaton. C'est ça. Voilà, Alexander Eaton. Il est jeune aussi, donc lui il apparaît sur le devant de la scène et c'est intéressant de se mesurer à Kyle Jones qui est dans l'équipe canadienne, à Tim Dunn, à Huerta, Shoemaker qui sont des habitués du circuit international. Et là, regardez, voilà, il est tout jeune, Eaton. Et il va pouvoir s'étalonner un peu, ainsi que le Mexicain qui a l'air assez jeune aussi.
Saracho, qui est en César Saracho, qui est en train de nous faire une belle course. En tout cas, Kyle Jones, lui, il veut la course et le titre, comme elle. Exactement, et il est en train de creuser un petit écart là-devant. Par contre, j'ai l'impression que Huerta, qui avait fait une grosse attaque, est en train de payer un petit peu dans la montée. Et la relance dans la descente va être un petit peu compliquée peut-être par rapport à voilà, Shoemaker, Eaton et Tim Don qui sont au contact. Et sa foulée est un petit peu plus heurtée. Regardez la pose du pied de Huerta et celle de Shoemaker. Notre ami fabricant de chaussures là est en train d'attaquer pointe de pied. Ouais, c'est un jeu de mots habituel avec le triathlon de haut niveau. En tout cas, Cal Jones, il est parti pour la gagne. Et bien, vous avez entendu son interview tout à l'heure, quand le respect qu'il y a pour Simon, oui, Whitfield. Il va avoir le titre, mais Simon n'est pas là. Oui. Alors que peut-être que c'est presque sous-entendu, s'il avait été là, c'est lui qui aurait, oui, dû avoir le titre. Tout à fait. Bon, ben voilà, Simon a été l'exemple pendant 12 ans, le chemin, pendant même plus que ça, pendant 15 ans, du chemin que ces triathlètes de niveau doivent suivre pour être au plus haut niveau international. Il va passer la main. Fort à parier qu'il reste au sein de la fédération canadienne pour aider le triathlon au Canada. Et voilà, Cal Jones peut et ne doit pas rougir de son titre, même si Whitfield n'était pas là, il a quand même gagné devant un beau plateau. Et voilà, exactement, titre national pour Cal Jones, et également donc cette Coupe du Monde d'Edmonton. Et juste derrière, eh bien, il y a l'autre Canadien, le jeune Alexander Hinton. C'est lui qui termine deuxième devant l'Américain Jarrod Shoemaker. Et Tim Don, lui, va terminer quatrième. Il a un petit peu pêché sur la fin, un peu tout à l'heure comme Flora Duffy. Ouais, enfin, il a été au contact, il a toujours été dans ces eaux-là. C'est plus Huerta qui a pêché, oui, puisque lui, il était quasiment en tête de course, il finit cinquième. On écoute Cal Jones. Remporter ma première épreuve de Coupe du Monde et le titre national au même moment, c'est franchement incroyable. Je me suis entraîné très dur depuis 4 semaines et je ne savais pas comment j'allais me sentir aujourd'hui. Finalement, j'ai cravaché pour quelque chose et ça, c'est super. C'était ma première Coupe du Monde, alors je suis satisfait de ma course. Je me suis battu avec des gars très forts comme Tim Don ou Kyle Jones. Alors c'est génial d'avoir réussi à me sentir aussi bien pour terminer deuxième. C'était une course compliquée avec des triathlètes déjà prêts pour les JO. Kyle Jones et Manuel Huerta vont aller à Londres, alors que Tim Don et moi, non. On s'est retrouvé un peu dans la même situation, pas toujours dans le timing, surtout à vélo. Je me suis vraiment éclaté en tout cas, car cette course est un vrai défi, mais ce fut un jour dur, très très dur. Vous entendez pas un petit peu d'amertume dans cette interview? Un petit peu, parce qu'évidemment il aurait voulu participer aux Jeux Olympiques. Ouais. On regarde le classement, le récapitulatif. Donc Kyle Jones, 3 secondes devant Alexander Hinton et Jarrod Shoemaker. On va faire une petite pause champagne et une petite pause publicitaire et se retrouver juste après. Où ça? Eh bien, en Hongrie. Bye bye Edmonton, yo nopo Tijos Varos, qui signifie, vous l'avez compris, et bien sûr bonjour en hongrois, car nous voici à présent à 8000 km du Canada pour cette nouvelle étape de la Coupe du Monde. Après Edmonton, nous voici donc en Hongrie. Tijos Varos, ça veut dire nouvelle ville sur la rivière Tija, et c'est une petite ville de 18 000 habitants, petite ville, mais une ville habituée à accueillir des épreuves de triathlon. Alors, on vient le voir sur le panneau, I love tri. Effectivement, toujours énormément d'ambiance à Tijos Varos. C'est une course qui a 20 ans et qui est toujours très très prisée, aussi bien pour le niveau de sa course que pour le niveau de la fête qui suit la course. Alors l'ITU a innové cette année, et notamment à Tijos Varos, puisqu'il y a un nouveau système de qualification qui se déroule pour commencer le samedi avec des demi-finales, pour qualifier ensuite ces triathlètes pour la finale de dimanche. Et oui, donc une course en deux temps, sur distance sprint. Voilà, les favorites vont essayer de se ménager un petit peu. Et puis de voir un petit peu le dimanche, de pouvoir s'expliquer sur une finale. Et l'avantage pour les spectateurs, c'est qu'ils voient deux fois les triathlètes élites, ce qui permet de fidéliser, de mettre une espèce de petite trame dramatique sur l'ensemble du week-end. Et de faire un petit peu comme une pièce, un drame à l'ancienne, de voir les premiers se qualifier et savoir qui des deux demi-finales vont pouvoir essayer de tirer leur épingle du jeu. En tout cas, ils ont l'air tous contents d'avoir fait ce système. C'est exactement ce que j'allais dire. On va pas vous traduire tout ce qu'on dit, c'est très à tête, mais en gros, pour résumer, ils sont contents et ils trouvent ça, pardon? Hongrois. En gros, hongrois. En tout cas, pour résumer, ils sont tous contents de ce nouveau système. Et pour revenir sur ce nouveau système,
thème. En gros, on va commencer à parler les femmes, mais pour vous simplifier la situation, pour les filles, il y a deux demi-finales, les 12 premières sont qualifiées, donc ça fait 24 pour la finale, et puis on prend le 13e meilleur temps des deux demi-finales, enfin de la meilleure demi-finale. Voilà, comme un peu sur le système d'athlétisme. Voilà. Quand il y a deux demi-finales, on prend les trois premiers de chaque demi, et les deux meilleurs temps à suivre quand il y a une course en couloir sur 8, évidemment. Et toujours ce départ natation dans la rivière qui est un petit peu particulier. Là, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de courant, mais souvent à Tijoivaro, c'est du courant. Et le départ du côté gauche du ponton est souvent un petit peu plus délicat. Par contre, là, c'est super court. Hein. On est sur 3 tours dans l'eau. Donc oui. 750 mètres, ça fait 250 mètres le tour avec des bouées. Donc, pour vous dire que la ligne droite, elle n'est pas très, très importante. Par contre, contrairement à la demi-finale, où c'était 3 tours natation, 2 tours vélo, 3 tours à pied, là, les organisateurs font encore plus de spectacles puisqu'ils mettent 6 tours en vélo. Donc là, les triathlètes, 6 tours, ça fait 3,3 km. Hop, on va passer toutes les 3,3 km à 40 de moyenne, ça fait 4,35 minutes. Toutes les 5 minutes, on repasse devant le public. Et vous allez voir, il y a toujours un animateur, il y a toujours des gens déguisés à Tijoivaro qui mettent le feu dans les tribunes. Et une petite info pour ceux qui aiment se baigner, l'eau fait 23 degrés. Donc natation sans combi, mais c'est le cas où c'est Edmonton. Vous avez vu comment on s'est téléporté super rapido, ouais, ça, oui, 8000 km en claquant des doigts, c'est balèze. Hein. Le plateau, Rodolphe. Si nous parlions du plateau, il y a quand même quelques triathlètes de renom. Avec déjà le dossard numéro 1, c'est Ashley Johnson, l'Australienne. Remplaçante de l'équipe d'Australie au JO. Il y a aussi Anna Maria Mazzetti, l'Italienne. Elle qui fait les JO en équipe d'Italie. On a aussi Mike Kaelers, est-ce que ça se prononce comme ça? Oui, tout à fait, oui. Qui est une jeune néerlandaise. C'est ça. On a Elle Frederiksen aussi, qui elle est dans l'équipe du Danemark pour les JO. Donc voilà, un mix entre des athlètes comme tout à l'heure chez les garçons Edmonton qui sont soit remplaçants et qui viennent continuer à marquer des points et puis à essayer de gagner des courses. Et puis ceux qui finissent leur préparation pour les JO et ceux qui arrivent dans le circuit international et qui vont eux aussi engranger de l'expérience et en se frottant à quelques-uns des meilleurs du monde et marquer des points pour les années à venir. La zone de transition. Rebecca Robisch aussi qui est là, l'Allemande, qui... Ashley Gentle, qu'est-ce qu'elle est sortie loin de l'eau? Ouh là là, ah oui, effectivement. Ah, elle est sortie à plus de 20 secondes de la tête de course. Même 30 secondes, puisque le meilleur temps de natation est de 9,36 et qu'elle est sortie en 10,06. Donc il va falloir qu'elle travache, qu'elle travache pour revenir devant. Est-ce que c'est 30 secondes sur une distance sprint, ça ne veut pas dire que c'est terminé? Normalement, ça devrait dire que c'est terminé. Maintenant, là, pour une fois, ce que j'ai dit sur Edmonton va avoir, on va pouvoir le voir, c'est comme il va y avoir que des petits groupes, vous voyez, c'est des groupes de 5-6, elle va pouvoir, grâce à un gros vélo, essayer de rentrer progressivement sur la tête de course, sauf si le groupe de tête, faisant l'inventaire de qui est là, s'aperçoivent qu'Achel Jettel n'est pas là, ils peuvent essayer de rouler et essayer de sortir. Mais là, on a vu, c'est elle qui a fait l'effort et elle recolle à la tête de course assez rapidement. Le tour est court, donc elle avait les infos par ses coachs sur le bord de la route. Elle est rentrée, elle va pouvoir se reposer un petit peu à l'abri. Oui, je vous ai dit qu'il y avait toujours, là ils sont un petit peu endormis les spectateurs, mais il y a toujours de la musique, beaucoup de monde sur cette ligne d'arrivée. Et donc on est tous regroupés là. Oui, par contre ce costume vous voit très bien. Oui, je m'étais caché là. Ben c'est un petit peu incognito, mais vous m'avez reconnu. Oui, mais vous savez, c'est l'expérience. Toujours beaucoup de monde ici, et il y a toujours un chauffeur de salle, enfin un chauffeur de tribune qui est là, et qui fait son boulot, et ça depuis des années. Il a confiance, ce monsieur demi-tour, là, quand même. Hein. Voilà, passage technique sur ces... le parcours est complètement plat, la route est très bien recouverte, il y a une succession de virages à 90 degrés, certains 180. Globalement, voilà, on est une fois depuis que le groupe d'Ashley Gentle est rentré, ça roule plus des masses sur le parcours vélo. Ouais, elles ont peut-être pour certaines. Alors voilà, après c'est système de demi-finale finale. Quand on s'appelle Frederiksen, qu'on est au haut niveau, quand on s'appelle Gentle, qu'on est au niveau, on peut doser sa demi-finale, on peut la gérer. Maintenant, quand vous l'avez dit, c'était les 12 meilleurs temps, donc il fallait finir dans les 12 premiers. Donc peut-être que certaines de ces triathlètes se sont mises dans le rouge pour pouvoir atteindre la finale. Et le lendemain, la finale pèse encore un petit peu dans les jambes, c'est pour ça, on est un peu sur la réserve. Et le vélo est groupé, et on va avoir à faire une belle partie de genoux pour la course à pied.
question. Est-ce qu'on peut comparer une. Est-ce que c'est plus difficile de faire une distance olympique en une journée ou de faire deux sprints samedi et dimanche? Ou est-ce que c'est de toute façon incomparable? Est-ce qu'il y aurait l'une des deux qui serait un petit peu plus difficile? Ah, bonne question, mon cher Rodolphe. Très bonne question. Là, vous me surprenez et vous me prenez à froid, en fait. J'aurais tendance à dire, ça dépend de la dépense énergétique sur, ça dépend de la dépense énergétique sur la demi-finale, et ça dépend de la configuration de course. Une demi-finale qui va se dérouler très vite et où il va falloir aller rouler fort en vélo, enchaîner très fort à pied derrière, va forcément laisser des traces, alors que un court distance avec un vélo tranquille, il a beau faire 40 km, ça va être un 10 km rapide, voilà. Maintenant, il faut faire l'effort, ça va dépendre, voilà, globalement, de cette dépense énergétique en fonction de son profil et en fonction de l'intensité de course. Mais souvent, ces athlètes sont entraînés, hein, ils ont un potentiel aérobie qui est de haut niveau avec des heures d'entraînement, entre 25 et 30 heures d'entraînement par semaine. Donc, c'est pas deux sprints qui vont les ouais. gêner à un jour d'intervalle, c'est une certitude. Et encore une fois, ça dépend du niveau. Un chez Gentle avec Mike Kellis. Et Gentle qui nous fait voir qu'elle est quand même en forme. Elle a pas super bien digéré le fait d'être remplaçante de l'équipe australienne au JO. Elle l'avait exprimé lors d'une interview il y a quelques temps. Donc voilà, elle fait voir à ses sélectionneurs qu'elle a le niveau qu'elle aurait eu le niveau pour pouvoir courir avec Emma Jackson, Emma Moffat et Erin Nancham. Et on a donc deux groupes de deux, hein. Gentle Kellis devant, juste devant l'italienne et l'australienne Mazzetti McShane. Et le petit peloton derrière, petit groupe. Voilà Mazzetti qui nous fait une belle saison, mais qui va faire 46e au JO. Elle aime bien Tijon Jvaros puisqu'elle avait terminé deuxième l'année dernière, Mazzetti. Oui, ces courses, ces Coupes du Monde qui ont lieu en Europe fidélisent souvent certaines équipes et certains athlètes, dont Mazzetti. Elle allonge, Gentle, elle allonge. Ouais. Et la néerlandaise, regardez la différence de foulée, rasante et fréquente pour la néerlandaise, et beaucoup plus en amplitude, plus dynamique pour Gentle. Elle a fait un gros vélo, il a fallu qu'elle s'emploie après sa natation un peu ratée, et elle est encore capable de courir derrière. Et toujours derrière Charlotte McShane, juste devant Anna Maria Mazzetti. L'Australienne qui n'a pas le maillot par contre de l'équipe d'Australie. Donc un petit peu difficile à reconnaître, mais c'est bien une Australienne. Allez, vous voyez, on parle en français, en hongrois, en Hongrie. Et ouais, elle est en train de contrôler. Et elle finit très très bien sa course. Voilà, elle a dû se faire une petite frayeur quand même à la sortie de l'eau. Quand elle a vu qu'il restait 3 vélos, elle a dû se dire « Oups, il va falloir que je pédale aujourd'hui ». Elle s'impose avec 4 petites secondes devant Mike Kellis, mais ça suffit pour remporter cette épreuve de Tijon Jvaros. Et puis et derrière, regardez, au sprint. Et oui, tout en fréquence, dans son style caractéristique. Ah, l'Australienne ne peut pas résister. Ouais, là, c'est pas possible. Hein. Anna Maria, retourne-toi, voilà, t'as un podium. Voilà, tranquille. Tu peux même ralentir, là. Voilà, la classe. Voilà, tout en fréquence, dans son style particulier. Elle nous fait encore un podium en Coupe du Monde. Elle est habituée de ce genre de choses. C'est un petit peu moins le cas sur les World Series. 58e à San Diego cette saison. Mais bon, elle est sélectionnée en équipe d'Italie. Elle va aller à Londres. Voilà. Les Allemandes derrière. Voilà, Rebecca Robisch, qu'on a l'habitude de voir sur les circuits français. Qui est plus une duathlète qu'une triathlète. Et bah écoutez, Ashley Gentle qui a remporté donc cette épreuve. Et je savais que je devais aller à fond lors du premier tour en vélo pour avoir une chance de réduire l'écart et de m'imposer. Mais je me suis senti un peu malade, alors ce ne fut pas facile de rattraper le groupe de tête. Finalement, je m'en suis très bien sorti. C'est bon qu'on puisse dire. J'étais un peu fatigué ce matin, mais finalement je m'en suis bien sorti. Je suis allé nager et courir un peu avec mon coach, John Hellmans, 2 heures avant l'épreuve, et ça m'a relaxé. Au final, mes jambes sont en meilleur état aujourd'hui qu'hier. John Hellmans, ancien triathlète de très haut niveau, spécialiste du longue distance. And we had a jog together 2 hours before the race, and my legs felt not bad, so I thought, Elle prend son temps, la néerlandaise. Ouais. Finalement, 2 heures avant la course, elle a senti que ses jambes allaient un petit peu mieux. Yeah.
C'est la deuxième fois que je participe à l'épreuve et c'est mon deuxième podium, alors forcément, je suis satisfaite. J'adore cet endroit et cette course particulièrement est passionnante. Je ne savais pas comment j'allais me sentir lors du finish, mais ça s'est très bien passé. Je me classe juste devant Charlotte McChain, que j'ai réussi à doubler sur la fin. Et voilà donc pour Anna Maria Mazzetti qui termine 3ème et qui se croyait à Ishigaki. Donc c'est, elle a dit c'est la deuxième fois que je cours ici à Ishigaki. Bon, sauf que c'est bon, s'il y a 8000 km entre Tijo et Edmonton, il y en a encore un petit peu plus entre Tijo et le Japon. Voilà le podium, avec donc tout en haut de ce podium, Ashley Gentle, l'Australienne. Place aux hommes à présent avec... Un paquet de Français. Un paquet de Français. Et oui. Alors il n'y a pas eu deux demi-finales, mais il y a eu trois demi-finales. Ah, vous en avez voulu une, on vous en a donné deux, voire trois. Voilà, exactement. Et on regarde ici ceux qui ont remporté les demi-finales. Pour commencer, l'Américain Verbicas. Ensuite, il y a eu le Néo-Zélandais Bryce McMaster, un nom prédestiné. Et puis le Russe André Bryurankov. Ah, Bryurankov. Konkov. Voilà, c'est le petit frère de... J'ai un trou de mémoire sur son prénom, mais qui son grand frère fait les jeux. Il a le même nom que lui. Il a le même nom que lui. Mais c'est des spécialistes pour les Russes. Voilà, Igor Polyansky, qui est le petit frère de Dmitry. Alexander Bryurankov, qui a terminé juste derrière... Laurent Vidal, juste derrière Frodeno aux Jeux Olympiques. Et vous parlez des Français, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a notamment Aurélien Rappel. Oui. Il y a aussi Pierre Lecor. Bah oui. Il y a aussi... Anthony Pujad. Et Greg Roux. Et vous en connaissez beaucoup. Oui, bah, oui un petit peu, oui, surtout Aurélien, puisqu'il est, il est au club de Beauvais, bien sûr. Et on va voir si l'équipe de France, cette petite équipe française, fait quelque chose. Ouais, tout à fait. Ils ont les moyens. Pierre Lecor qui reste sur une deuxième place à Quartera, qui avait gagné Aurélien Rappel. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Anthony Pujad, on a vu sur le Grand Prix de Dunkerque, terminé troisième et qui avait gagné à Antalya. Voilà, Greg Roux qui a un petit peu le même profil que Lucas Verbicas, l'Américain qui a gagné une des demi-finales et qu'on avait vu juste devant Laurent Vidal à la Coupe du Monde de Bagnolès. Ils viennent tous les deux de la course à pied. Ils ont été au niveau universitaire aux États-Unis, puisque Greg a fait une partie de ses études aux États-Unis. Ils ont été au niveau en course à pied. Ils se sont mis au triathlon. Et donc, on va voir ce que... Bon, Greg, on le connaît bien, puisqu'il fait un circuit français. Il est sur le circuit international depuis déjà quelques années. Maintenant, le petit Américain déboule dans le business. On a vu qu'il était fort à pied. Maintenant, il va falloir voir comment il progresse dans l'eau pour être capable de pouvoir venir titiller la tête de course grâce à sa course à pied. On dirait le style d'Aurélien. Raphaël, qui ne sera pas une surprise qu'il sorte devant de l'eau. C'est gagné. Ah bah oui, mais ça c'était trop facile. C'était trop facile. Et voilà, devant, Anthony. Voilà, il y a Pierre Lecor aussi qui est là. Ouais. Donc les Français en excellente position. Excellemment bien placé. On avait Brukankov aussi, le petit frère. Alors les Russes ont cette particularité, ils fonctionnent en fratrie. Il y a deux Vassiliev, il y a deux Brukankov, il y a deux Polyansky, il y a deux Tutukin. Ils vont par deux, un grand, un petit. Il manquerait plus que les Brownlee se naturalisent. Oui, c'est vrai que je les avais oubliés, ces deux-là. Allez, une bonne transition. Alors, même si le triathlon est une course individuelle, regardez, les trois Français vont sortir devant, donc ils vont pouvoir collaborer. En plus, les trois ont l'habitude de faire le Grand Prix, le Grand Prix national étant une course avec une dominante tactique importante. Ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu par rapport à ça, avec peut-être un petit peu plus d'expérience que les autres, qui ne sont pas sur le Grand Prix national. Et là, ça peut leur servir. En plus, c'est exactement le même type de distance, sprint sur les deux épreuves. Voilà, Greg Roux un petit peu plus loin. Ça va être un petit peu plus difficile. Par contre, j'ai pas vu Lucas Verbicas sortir du parc. Alors, en combien est-il sorti de l'eau? 9,09. Ah oui, il a pris 30 secondes. Et par rapport à Greg Roux, il est sorti 7 secondes derrière Greg. Donc, ça va être dans un deuxième paquet. Et il y a de fortes chances que les Français impriment un bon tempo à ce peloton. Ils ont tout intérêt à le faire, en tout cas. Voilà, Anthony Pujad qui prend ses relais. Et voilà, Lucas Verbicas qui il sait qu'il doit rouler pour essayer de revenir sur la tête de course. C'est sa seule solution pour essayer de gagner cette course. C'est ce qui avait été le cas à la Coupe du Monde de Bagnolès, où il avait terminé au sprint avec Laurent Vidal. Donc on sait qu'il est capable de courir vite. Maintenant, sortir à 30 secondes sur un sprint, comparé à chez Gentle, ça va peut-être être un tout petit peu plus compliqué sur cette course. Parce que devant, ça roule.
Et ils ont tout intérêt à le faire d'ailleurs. Parce que quand on a un loustic comme Verbicas et Greg Rouault dans le groupe de derrière, il faut mieux rouler devant, leur faire poser le vélo à quelques paquets de secondes, ce qui vous laisse du répit en course à pied. Et là, ça roule plutôt assez vite. Ah, il y a Dodds aussi. Dodds, le Néo-Z qui est dans ce groupe, qui a fait un très très bon début de saison, mais qui lui n'a pas gagné, qui lui non plus, comparé au nom dont on a parlé tout à l'heure, qui n'a pas gagné sa place pour les JO, puisque au JO, nous avions Bevan Docherty, Chris Gemmell et Ryan Simpsons dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et là, c'est demi-tour, c'est terrible. C'est bien pour le groupe de tête et c'est moins bien pour le groupe de chasse. Quand ça se passe bien pour le groupe de tête, c'est qu'on est capable de faire les pointages et de savoir si on gagne du temps, 6 tours. Hein. Donc ça fait plusieurs demi-tours, donc on est capable de voir si on gagne ou si on perd du temps. Et là, en l'occurrence, oui. Le groupe de tête est en train d'en gagner. Ce qui est une bonne chose. Donc moins pour le groupe de chasse, nous sommes d'accord. Voilà Aurélien, Pierre Lecor à gauche, Anthony Poujade est là-bas, Wilson, l'Australien. Dan Wilson en très bonne position aussi, mais vous savez que nos petits Français peuvent nous faire quelque chose. Là, c'est le petit Polianski. Ça n'est pas Dimitri, c'est Igor. Si Dimitri était là, ce serait plus compliqué. Il va falloir remettre le vélo, Aurélien. Voilà, on a entendu le petit coup de sifflet de l'arbitre. Et voilà, quelques secondes de perdu, mais bon, il sort quand même quasiment sur la tête de course. Et que vont nous faire nos Français à pied? Ils ont vu. Voilà, les noms qui sont là, McMaster. Ouais, ils ont tout à fait les moyens de faire quelque chose en course à pied. On voit le groupe de chasse derrière qui a un peu de retard, combien? Ah bah un petit peu, oui. Ils ont pris 45 secondes en vélo, donc plus l'écart, ils sont un peu plus d'une minute. Donc sur 5 km, ça va être difficile, même pour Greg Rouault, même pour Verbicas, de revenir à pied. Surtout qu'ils ont dû s'employer aussi hein, pour conserver, pour avoir au minimum cet écart. Ouh, il y a González, le Mexicain, qui m'a semblé partir très très vite. Il est parti un peu speed. Oh, c'est facile, mais je peux pas m'empêcher. Allez, Anthony. Voilà, Anthony qui contrôle. Voilà, Anthony qui est tout jeune. 21 ans. Il vient de la natation. Il est en train de très très bien. Ça fait déjà 2-3 ans que sur le circuit du Grand Prix, on le voit apparaître, pointer le bout du nez. Pierre Lecor aussi. Deux très bonnes saisons. Très costaud à pied. Aurélien Raphaël qui doit faire un petit effort pour revenir par rapport à sa transition. Et dites-moi, Rodolphe, si nos amis français nous faisaient un petit triplé, ouais. Je crois que ce serait inédit sur les Coupes du Monde. Donc on a eu Kyle Jones, Ryan Mountain qui gagnait pour la première fois une Coupe du Monde, Eaton qui faisait son premier podium pour sa première course. Donc si on avait un petit scénario inédit aussi avec trois Français sur les trois premières marches, enfin sur les trois marches du podium, puisqu'il n'y a pas de quatrième. Et voilà Pierre Lecor qui est parti, c'est sans doute le meilleur coureur à pied des trois. Aurélien qui est en train de revenir sur Anthony. Et derrière, c'est Dan Wilson, un petit peu plus loin, à moins que ce soit Ryan Fisher. Non, faites voir. Je crois que c'est Ryan Fisher. Ouais, c'est Fisher, oui, c'est pas la coupe de feu de Wilson. Il a sauté à pied, le petit Polianski, et ça court moins vite que les Français. Donc ils sont peut-être partis pour une opération inédite. Voilà, Greg Rouault, Verbicas, un petit peu le même style de course à pied, avec le pied du coureur du pistard. Et ils sont en train de faire l'effort pour revenir du groupe de derrière, mais 5 km, ça n'est pas 10. Évidemment, c'est une lapalissade, donc on a deux fois moins de temps pour revenir. Et Pierre Lecor qui est bien là, bien seul en tête. Oui, Pierre qui 24e aux Europes, il était un peu déçu de sa course des Europes, et qui sur les Coupes d'Europe ou sur les Coupes du Monde commence à vraiment faire des bons résultats. Et là, avec ses camarades de l'équipe de France, ils sont en train de nous faire un petit numéro qui est très intéressant. Anthony qui peaufine ses armes aussi vers le haut niveau. Bon voilà, ça c'est bien, la relève est là. On a évidemment Laurent Vidal, Davidos. Qui était tout proche du podium hein, aux Jeux Olympiques. Oui, Fred Bellouvre, le grand frère. Alors Fred, peut-être m'en vouloir de dire ça, mais bon, il est plus tout à fait jeune. Ben voilà, on a la relève, il y a Vincent Louis, évidemment. Vincent Louis qui a fait des JO tout à fait corrects par rapport à son début de saison où il était blessé. Donc voilà, Pierre Lecor. Et regardez derrière là, Aurélien Raphaël. Il y a du bleu derrière avec Anthony Poujade. Voilà, un joli triplé, ma foi. Et donc c'est une première en Coupe du Monde. Ah ça c'est une certitude. Ouais, maintenant, ce serait bien de faire la même chose sur une World Series. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais à part les Brandly qui sont capables de faire un de... Il y a un troisième petit frère chez les Brownlee. Hein. Eh bien écoutez, je ne sais pas, mais il faudra mieux pas. Il faudra mieux que ce soit une petite sœur ou qu'il décide de faire un autre sport.
Bon, en tout cas, c'est une super nouvelle pour l'équipe de France avec... Et Greg Rouault qui fait 7e. Oui, ce qui est bien aussi, il était dans le... Dans le deuxième groupe, il est revenu. Voilà, il fait quasi le même temps à pied que Vergebicaz, donc il a fait une excellente course à pied. Ah, les Français en anglais, fabuleux. Alors, je me suis senti parfaitement à l'aise aujourd'hui. On a vraiment bien bossé le vélo et la natation avec l'équipe française, alors je suis vraiment très fier du résultat de cette course. It's my first sprint distance. Oh là là, Aurélien. C'était ma première distance sprint. Et ce n'est pas évident de la saison. Hein. De la saison, bien sûr. Oui, bah oui. Et ce n'est pas évident car il faut s'habituer. C'est très rapide, très difficile. Je suis très content. On termine. Et 1 et 2 et 3 0. C'est à peu près ça. Et Aurélien qui était remplaçant. Remplaçant pour les JO. Anthony Pujat. Ce fut une course incroyable pour moi. C'était ma première Coupe du Monde ITU. On a réussi un truc super. Notamment lors des 20 km en vélo. Beau temps. Ah ouais, bah voilà, c'était nickel, Anthony, c'était un nickel, voilà. Et voilà, donc quand tout se passe bien. Hein. Il est sympa ce tableau, hein. On devrait prendre une photo. Oui. Une capture d'écran, comme on dit aujourd'hui. 4 dans les 7 et 3 sur le podium, c'est assez sympathique. Et voilà donc pour cette épreuve de Tijos Varos, qui était donc précédée par l'épreuve d'Edmonton. Laurent, il y a des prochains rendez-vous sur Sport Plus. On peut déjà vous dire que la 7e étape des Coupes du Monde, ça sera en Colombie début septembre. Mais avant cela, il y aura... Stockholm. Voilà, avant ça, il y aura la 6e étape des World Series à Stockholm. En direct. Ça sera le 30 août sur Sport Plus. Et en direct. En direct. Voilà, comme en bourg. Voilà, c'est une bonne chose. Et ce sera sur Distance Sprint également. Voilà. Eh bien, on vous remercie. Eh bien, ce fut un plaisir, Rodolphe. À bientôt, bye bye.